Et salut à tous les amis, c'est Jason, on se retrouve pour ce qui sera sans doute la dernière vidéo de ce let's play sur Bloodborne, et donc en l'occurrence la troisième fin, qui sera consacrée du coup au dernier boss, à savoir la présence lunaire. Donc voilà, il y aura peut-être une vidéo bonus qui arrivera beaucoup plus tard, le temps de faire tous les donjons de Calice. D'ailleurs là je viens d'aller battre avec certains boss dans les Calice des donjons de Lorraine. Ce qui fait que je suis à zéro déco, parce que c'est assez compliqué à ce stade du jeu. Mais ça ne m'a pas empêché du coup d'augmenter mes stats entre temps. On est déjà au niveau 105. Donc voilà, vous pouvez voir un peu mes stats. Du coup, on est à 31 de vitalité, 22 en endu, 28 en force, compétence 14, science 53 en ésotérisme. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, donc, pour rappel, du coup, pour avoir la troisième fin, il va falloir du coup ingérer les trois tiers de cordon ombilical, c'est ce qu'on va faire maintenant. J'ai pas mal de nécrosons. On va utiliser ça, utiliser un tiers de cordon ombilical, oui. Du coup ça nous donne de la lucidité en cas où. On va prendre les deux autres. Et du coup avant tout, pensez à bien, si vous voulez faire vraiment le jeu à 100%, de mettre vos sauvegardes. Enfin en tout cas de garder une copie sur une clé USB. Puisqu'il faut savoir qu'à chacune des fins du jeu que vous allez faire, ben, d'office vous allez avoir le New Game Plus qui va se mettre simplement. Donc voilà, c'est pas forcément ce que vous cherchez vous, donc si vous voulez vraiment platiner, voilà, après rien ne vous empêche de faire un New Game Plus, moi pour l'instant je le fais pas. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut faire. Du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Bah, je crois qu'on a tout. De mon côté, je suis en train d'essayer d'avoir toutes les armes de chasseur, il m'en manque plus énormément. Pour avoir l'un des trophées aussi. Ah donc voilà. Mais en tout cas, le plus dur pour platiner le jeu, ça va être vraiment de battre Yharnam du coup dans les donjons Calice. Hein, puisqu'il faut passer par à peu près tout. Pour avoir de quoi faire du coup pour le dernier donjon. Et le dernier trophée, c'est du coup d'obtenir une gemme extrêmement précieuse. Une gemme sanglante extrêmement précieuse qui là encore se trouve dans les donjons Calice. Ce sont vraiment les deux trophées de merde, vraiment. Mais le jeu est vachement faisable en tout cas, donc voilà. Ce que je vais faire moi, c'est une petite coupure, le temps d'aller retuer German. j'ai pas forcément le choix de retuer German. Donc maintenant que vous avez ingéré les trois cordons ombilicales, une fois que la présence lunaire descendra, ben elle ne vous tuera pas parce que vous avez ingéré les cordons ombilicales et donc vous allez pouvoir l'affronter juste après. Donc voilà, je vais tenter en tout cas de tuer German et on se retrouve dans la foulée. Voilà. Ce rêve a duré si longtemps. Bon, ça a mis moins de temps du coup que le premier essai. On va pas tout de suite battre la présence lunaire, faudra d'abord que je repasse. Que je repasse au rêve du chasseur, normalement on peut. Vous avez vu, une fois que vous avez ingurgité les cordons ombilicales, elle vous fait plus rien, donc elle peut pas vous tuer d'un coup. Et maintenant, c'est l'heure de l'affrontement final. Voilà, là, on va pas y aller tout de suite. Pêche-toi. Vite, 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 vite. Yes. J'ai un coup de chance. Alors, pourquoi je fais ça? Simplement parce qu'on va récupérer des fioles. Des fioles de sang, alors du coup comme on est là, je vais pouvoir utiliser le reste de mes échos qui sont ici, mes restes de nécro-sang. On va en prendre quelques-uns et on repassera juste après au rêve lunaire. Je sais pas combien de fioles je prends. Ah bah j'avais déjà de quoi survivre, ok. Bon écoutez, tout va bien alors du coup. Bon, on est parti alors pour la présence lunaire, dernier boss, et puis ça sera la dernière fin, et on se retrouvera après le générique. Allez, c'est parti, on va tenter, encore une fois je dis bien tenter, parce que les boss du premier coup c'est jamais bon signe pour moi.
Mais en tout cas, voilà. C'est vrai qu'apparemment, elle est pas très compliquée. Il y a juste une attaque qu'il faut faire très attention parce qu'elle vous laisse à 1 point de PV. C'est pas forcément ce qui est. Elle fait quand même bien mal, mais elle a pas beaucoup de vie comparé à Yharnam. Enfin, Girman plutôt. Attention parce qu'elle utilise aussi une brume engourdissante, donc ça peut vous stunt à un moment donné. Je préfère au moins avoir mes échos de sang sur moi, enfin mes fioles, plutôt que rien avoir. Je sais pas, si on peut la contrer. Pourquoi est-ce que j'ai pris l'épée de l'autre vie? Je sais pas, on va reprendre la silence. J'ai l'impression que ça lui fait quand même des dégâts avec, avec l'épée de l'autre vie, que je sais pas, à voir. Bon, je pense que les deux sont bons. Voilà, ça c'est son attaque du coup. Voilà, qui vous fout à 1 PV. C'est un peu compliqué, hein, vraiment. Faut vu qu'elle ne recommence pas, parce que sinon... Donc, ça va. Je crois que ça, c'est pas sa meilleure des attaques. Ouais, elle fait des attaques de sang qui ne marchaient pas, par contre. Où elle est? Oh bah je me suis soigné entre temps. Ok, il me reste beaucoup de... Ok, allez, allez, bientôt HS. Moi ça va, je tiens le coup. Ça sera peut-être le seul boss que j'aurai en first try d'un coup. Vers la fin, oui, c'est parfait. Bah écoutez, voilà. Voilà, je vais me taire quelques instants parce que ça va être la dernière cinématique et on se retrouvera du coup en New Game Plus. J'ai pas tout faire en New Game Plus, mais voilà. Vous avez froid ? Oh, brave chasseuse. Et bien voilà, les amis, c'est ainsi que s'achève notre aventure Bloodborne. Alors, drôle de fin, mais apparemment, ça serait la meilleure de toutes. Maintenant, c'est à vous de juger. Et donc ouais, ça se rapproche du coup, on est ce qu'on appelle devenu un grand, un bébé de grand entre guillemets, on a tellement observé de lucidité qu'on est maintenant devenu l'un des leurs, du moins ça pourrait se traduire comme ça. Il y a aussi, je l'ai pas montré, mais quand on arrive du coup dans le vieux Yharnam avec le chasseur qui nous tire dessus, quand on lui parle ou qu'on le tue, bon, c'est un peu la même chose, en fait il nous dit, sa dernière phrase c'est qu'on faut faire attention parce qu'on ne tue pas des monstres au final, donc on tue plutôt des êtres humains et donc nous on les voit comme des monstres. Il y a plusieurs versions de cette histoire, mais celle qui ressort le plus c'est du coup comme je l'avais expliqué dans une des vidéos, c'est que là on tue des grands, en l'occurrence des dieux, qu'on peut voir qu'avec de la lucidité et des recherches en tout cas des habitants de Yharnam, ça s'est basé en tout cas là-dessus. Et donc ben voilà, nous on est devenu un grand, c'est très très spécial hein, comme histoire. Mais donc voilà, vous voyez que les fins sont très très courtes. Et ben, il me reste plus que deux trophées du coup à avoir, moi, de mon côté. Enfin trois techniquement, parce que j'ai pas encore toutes les armes de chasseur. Ben, il me restera plus qu'à farmer. Du coup, si j'y arrive, je mettrai une vidéo bonus du coup de l'arène de Yharnam. Maintenant je promets rien parce que c'est un truc qui est assez compliqué. En tout cas, là tout de suite, hein, c'est un peu chiant d'aller farmer et de refaire les donjons calices, c'est un peu relou. Mais en tout cas, voilà ce qui conclut notre histoire sur Bloodborne. On en a terminé du coup avec ce jeu, on est à une quarantaine de vidéos quand même.
On a une quarantaine de vidéos et là du coup vous voyez que le New Game Plus se lance directement et on retourne du coup à Yosefska avec plus de 230 000 d'écho de sang, ce qui est quand même pas mal pour commencer le jeu. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose qui change, je crois que les boss ont une difficulté supplémentaire, donc forcément. Mais on garde nos stats, on garde nos armes, on garde tout, et c'est plutôt pas mal. J'ai toujours une sauvegarde sur ma clé USB, au cas où, parce que les donjons Calis, là on peut pas y aller pour l'instant. On va retourner voir la poupée, voir. Ça m'étonnerait que les donjons Calis pardon, soient toujours... C'est toujours d'actu. On va y aller. Là, normalement, on a le loup-garou. Oh, on a plus de... Ah non, c'est après que la torche arrive. Ah, regardez-moi ça, le trou du cul. Ah, tu l'as en 2, 3... Un ou deux coups, ouais, maximum. Le loup-garou qui faisait peur un peu à tout le monde. Et donc, les objets, ben, sont toujours de retour, hein, du coup, au même endroit. Ça fait bizarre quand même d'avoir terminé ce jeu, moi qui galérais il y a quelques années dessus, vraiment, moi qui galérais, je suis assez surpris, et puis oh, c'est juste incroyable. On va monter jusqu'à la lanterne, on va voir un peu du coup ce qu'on peut faire et puis on s'arrêtera dans le rêve du chasseur. Quoi que je peux, non je peux pas y aller, je peux pas récupérer les objets, c'est bon, pas pour l'instant en tout cas. Ouais, il faut quand même plusieurs coups à eux. Hop là, tiens, qu'est-ce que t'as looté, toi? Des cocktails molotov, d'accord, c'est bien. Putain, ça fait bizarre, vraiment. Ouais, le retour de Clérical, on aime bien Clérical. On aime bien Clérical, allez, on va voir du coup. Ouais, du coup, il faut s'amuser à réouvrir tous les raccourcis et tout. Bon, je pense que le New Game Plus c'est plus pour mettre les stats, améliorer son personnage, c'est toujours moyen de faire quelque chose. Après pour ceux qui ont les DLC, hein, du coup ça peut être pas mal aussi. Voilà donc, hop, on peut passer. Madame la poupée, j'ai un point de lucidité, madame. Tiens, et donc les donjons Calis, c'est ce qu'ils sont Ah oui. Oh bah c'est pas mal ça. Donc les donjons Calis sont là. On va prendre un point de lucidité parce que je pense que c'est à cause de ça, savoir de démon, on va en utiliser un seul. Hop. Ouais d'accord, donc on peut pas lui parler tant qu'on n'a pas tué le boss en fait. Je vais faire ça de mon côté. Est-ce qu'on a toutes les armes de chasseur qu'on a débloquées? Parce qu'à mon avis, je suis pas trop sûr. La miséricorde. Ah si! Ah si, on a le Shikage. Bon, écoutez, on va se faire plaisir alors. Je sais même plus ce que j'ai comme truc. Alors, ça, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas. Je voudrais acheter le romarin aussi. Sinon, ça me fera justement. Peut-être le trophée dans cet épisode-là avec toutes les armes. Parce que je les ai pas encore toutes. D'accord, on a le Shikage, on a le Toditrus. On a le Reiterpal machin. Je sais pas comment ça se prononce, c'est pas grave. Ouais, du coup, on va se faire plaisir alors. On va se faire plaisir, ça je l'ai. La lame sépultrale, je l'ai pas. L'arme de miséricorde, je peux pas l'avoir. Pour l'instant, c'est 40 000, ça je l'ai du coup. Enfonce pieux, je l'ai. Ah, et donc il me manque que la lame de miséricorde. Et c'est tout. Parce qu'on a tout récupéré. D'accord, donc il me manque en tout cas 40 000 là. Eh bien écoutez, c'est pas mal, écoutez, ben voilà, c'est là-dessus qu'on va du coup s'arrêter pour cette vidéo. On a tout fini, tiens, on va voir Guerman le ressusciter là-bas. Guerman qui est toujours là, le pauvre, mais je t'ai quand même mis la misère mon pote, hein, dans ton fauteuil roulant, mytho, va. Petit mytho, allez, du coup j'espère que ça vous aura plu, et du coup on se retrouvera peut-être, encore une fois peut-être pour une petite vidéo bonus sur l'arène de Yharnam si j'arrive un jour à la faire. Pour l'instant je pense que je vais faire une petite pause de Bloodborne. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et donc salut à tous.